On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour, je vous propose aujourd'hui de tricoter ce joli petit chausson pour bébé qui va utiliser le point mandarine que je vous ai montré précédemment dans une autre vidéo. Voici donc le petit chausson que nous allons tricoter ensemble. C'est un chausson assez facile à réaliser qui se tricote à plat avec deux aiguilles. Donc on fera une couture à la fin pour terminer le chausson. Un tricoteur même peu expérimenté peut se lancer dans la fabrication de ce modèle. Il est constitué de plusieurs points avec du point mousse, c'est-à-dire un point tricoté tout à l'endroit, du point de jersey où on alterne un rang droit, un rang vert et le fameux point mandarine. Pour réaliser ce chausson, nous allons utiliser une laine fine, une laine layette. Et nous allons utiliser des aiguilles à tricoter de numéro 3. Alors, vous pouvez utiliser des aiguilles numéro 3, ce qui vous donnera un chausson pour une taille de 0 à 3 mois. Vous pouvez utiliser aussi des aiguilles 3,5, ce qui vous donnera alors un chausson d'une taille 3 à 6 mois. Alors, bien sûr, tout ceci est variable en fonction de la laine que vous allez utiliser et aussi de votre manière de tricoter. J'utilise ici des aiguilles à double pointe, ce que je vous déconseille car il y a un risque de perdre les mailles pendant le tricot, mais j'utilise ces aiguilles car elles sont plus petites et c'est plus facile pour la vidéo. Nous allons tout d'abord faire un nœud coulant que nous allons passer sur notre aiguille. Nous allons ensuite monter des mailles en utilisant la technique du montage à l'anglaise. J'ai choisi ce type de montage car c'est un montage qui est très élastique et qui apportera donc beaucoup plus de confort aux chaussons pour bébé. Mais si vous préférez utiliser une autre technique de montage, vous pouvez bien sûr le faire, ça n'a pas une très grande importance. Et nous voilà partis pour monter 50 mailles. Alors, petit rappel pour vous aider à faire ce montage à l'anglais, c'est un montage qui se fait avec deux aiguilles. La boucle de montage, le nœud coulant a été positionné sur l'aiguille gauche. On tricote une maille en droit dans cette maille qui se trouve sur l'aiguille gauche. Et lorsque l'on se retrouve avec une boucle sur notre aiguille droite, on la repositionne sur notre aiguille gauche. Dans cette maille, on tricote une maille en droit et lorsque l'on va retirer la boucle de cette maille que l'on tricote, on va la repositionner sur l'aiguille gauche. On va ensuite, avec notre aiguille droite, passer entre les deux mailles formées et sous l'aiguille gauche pour tricoter une nouvelle maille en droit. Et lorsqu'on aura tiré la boucle de cette maille que l'on tricote, on la repositionne à nouveau sur l'aiguille gauche et on retricote une maille en passant entre les deux dernières mailles tricotées et en dessous de l'aiguille. Pour une explication plus claire et plus détaillée de ce montage, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce montage à l'anglaise. Prenez soin de toujours bien former vos mailles sur la partie la plus épaisse de l'aiguille et non pas sur la pointe. C'est important, sinon votre rang va être trop serré, votre rang de montage va être trop serré et votre premier rang va être excessivement difficile à tricoter. Un premier rang est toujours difficile à tricoter, donc essayez d'être le plus lâche possible sur votre rang de montage, mais en ayant quand même une certaine tension sur votre fil. Soyez ferme et souple. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre rang de montage et nous avons monté nos 50 mailles. La dernière maille est toujours un peu bizarre, mais c'est normal. Dans un montage à l'anglaise, et bien sûr, vous allez la compter comme une maille. Avant de continuer, il est toujours préférable de vérifier qu'on a bien monté le bon nombre de mailles et de les compter. Donc là, nous allons les compter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
Et 50, le compte est bon. Nous allons donc pouvoir attaquer la première étape, et cette première étape consiste à tricoter 14 rangs au point mousse. Mesdames, messieurs, un petit rappel pour le point mousse si c'est nécessaire, tout à l'endroit, c'est-à-dire que les rangs allés vont se faire avec des mailles en droit, les rangs retour vont se faire aussi en tricotant tout à l'endroit. Nous sommes donc partis pour ces 14 rangs. Attention, le premier rang est toujours un tout petit peu plus difficile à tricoter que les suivants. Alors, bon courage et je vous donne rendez-vous à l'issue de ces 14 rangs. Alors, on tricote à l'endroit, mais on ne compte pas au fur et à mesure. Et maintenant, on voudrait savoir où on en est. Alors, lorsque l'on est sur l'endroit du travail, comme on a fait un montage à l'anglaise, le fil qui a servi à démarrer notre travail va se trouver sur la gauche. Et maintenant, pour savoir exactement où nous en sommes, nous allons devoir compter les rangs. Alors, comptons nos rangs. Le tout premier en bas est le rang de montage, donc on ne va pas le compter. Ensuite, le rang qui est immédiatement au-dessus est un rang tricoté à l'endroit. Et le rang suivant est un rang tricoté, bien sûr, à l'endroit sur le retour du travail, mais qui apparaît à l'envers lorsque l'on est sur l'endroit de notre ouvrage. Alors, pour compter un point mousse facilement lorsqu'on tient son ouvrage sur l'endroit du travail, en fait, on va compter que les rangs en vert puisqu'ils sont bien apparents. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En fait, les rangs en droit apparaissent en creux et les rangs en vert apparaissent en relief. Ce sont les petites boucles que l'on voit bien sur le devant du travail. Nous arrivons donc à l'étape 2 et dans cette étape 2, nous allons faire le coup de pied du petit chausson. Pour faire le coup de pied du petit chausson, nous allons commencer par tricoter 22 mailles à l'endroit. Voilà qui est fait. Notre travail sur ce rang va se diviser en trois parties. Un premier côté qui va correspondre aux 22 mailles que nous venons faire, un deuxième côté avec 22 autres mailles que nous tricoterons à la fin, et nous allons démarrer le devant du petit chausson sur les 6 mailles qui se trouvent au centre du chausson. Sur ces 6 mailles, nous allons tricoter du jersey en droit, c'est-à-dire que le rang aller va se faire à l'endroit, le rang retour va se faire à l'envers. Mais la particularité, c'est qu'avec la dernière maille de chacun de ces rangs, nous allons tricoter une maille décotée. En théorie, cela peut sembler compliqué, mais passons à la pratique et vous allez voir, tout va s'éclaircir. Nous allons donc tricoter le premier rang de jersey pour le coup de pied, donc c'est-à-dire que nous allons tricoter 6 mailles en droit, mais comme il va falloir tricoter la dernière avec le côté, nous allons donc tricoter que 5 mailles en droit, puis nous allons tricoter la sixième avec la maille du côté, donc nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons tricoter le deuxième rang du coup de pied. Donc, nous allons retourner notre ouvrage pour faire le rang de retour, le rang envers. Nous allons donc tricoter 5 mailles envers. Et la sixième s'effectuera en tricotant 2 mailles ensemble, c'est-à-dire la dernière maille du rang du coup de pied, plus une maille du côté du chausson. Nous retournons alors à nouveau notre travail pour faire le troisième rang du coup de pied qui va être un rang en droit et où l'on va faire 5 mailles en droit plus la sixième maille qui va être une maille tricotant ensemble la maille du coup de pied et la maille du côté. Donc une sixième maille pour tricoter 2 mailles ensemble. Et là, vous commencez à voir poindre le petit devant de votre chausson. Et vous allez continuer ainsi pendant 14 rangs, en faisant à chaque fois 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Et voici, après 2 rangs de plus,
Le nez du chausson commence à se marquer de plus en plus. Lorsque vous aurez fini vos 14 rangs, vous aurez en fait tricoté vos 6 mailles du milieu en prenant 7 fois de chaque côté une maille du chausson. Donc, à la fin, lorsque vous aurez fini vos 14 rangs, il vous restera toujours les 6 mailles du milieu, 15 mailles à droite et 15 mailles à gauche. Voilà, nous avons fait nos 14 rangs, nous sommes sur l'envers du travail, comptons nos rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons bien fait nos 14 rangs et nous avons bien 15 mailles sur le premier côté et il nous reste aussi 15 mailles sur le deuxième côté. Voilà, donc nous avons fait notre dernier rang du coup de pied de notre petit chausson. Et maintenant, nous allons reprendre notre travail sur l'endroit et nous allons partir en maille endroit jusqu'à la fin du rang. Et sans tricoter de mailles ensemble à la fin du coup de pied. Nous tricotons bien toutes les mailles une par une. Ensuite, il nous reste maintenant 36 mailles, 15, 6, 15. Sur ces 36 mailles, nous allons tricoter un rang tout à l'envers. Ce rang étant fait, nous voyons bien maintenant la forme du chausson et nous allons maintenant faire un rang pour former des trous-trous qui serviront par la suite à passer un ruban ou une cordelette pour attacher le chausson. Alors, comment allons-nous faire ce rang de trou-trou? On commence. On est sur l'endroit du travail. Et on commence par faire deux mailles en droit. Ensuite, on fait un jeté, puis un surjet. Un surjet, donc on glisse une maille, on tricote la maille suivante à l'endroit et on fait passer la maille qui est glissée par-dessus, et vous ne vous trompez pas, vous prenez bien la maille glissée. Et on se retrouve avec un jeté qui va faire le trou, plus un surjet qui permet de compenser le jeté pour garder le même nombre de mailles. Et on fait une maille en droit. On recommence un jeté. Un surjet. Une maille en droit. Jeter le surjet en faisant vraiment bien attention de prendre la maille que l'on a glissée et non pas le jeté. Puis notre maille en droit. Puis on refait un jeté. Alors un jeté, faites attention, il faut toujours bien lancer le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui revient en fait à passer le fil qui est à l'arrière du travail sur le devant du travail. Et lorsqu'on va tricoter le surjet suivant ou la maille suivante, en fait, le jeté va passer par-dessus l'aiguille et faire donc une maille supplémentaire. Et puis, on refait un surjet. Et on va tricoter ainsi de suite jusqu'à la fin du rang en faisant un jeté, un surjet, une maille en droit. Et l'on termine ce rang en faisant un jeté, un surjet, une maille en droit. Et comme il reste une dernière maille, nous allons faire une dernière maille en droit. Le rang suivant se tricote tout à l'envers. Et lorsque vous arrivez sur un jeté, vous le tricotez aussi à l'envers. Et c'est ce jeté tricoté à l'envers qui va former un petit trou. Voici donc la fin de notre rang en vert. Et maintenant, si l'on retourne l'ouvrage, on peut voir sur l'endroit toute cette rangée de trous qui s'est formée. Puis, pour que le trou-trou soit bien encadré de deux rangs de jersey endroit, nous allons faire maintenant un nouveau rang tout à l'endroit. Je vous propose de vous retrouver dans une seconde vidéo pour faire la fin de ce petit chausson. Alors, travaillez bien et on se retrouve lorsque vous aurez terminé votre rang de trou-trou. Bon tricot, bon courage et à très bientôt.